Oh non. Oula. Non. Yes. Attention. Les deux. Non. Oh non. Attention. Il échoue. Putain! Ah, ça aurait été galère, c'est sympa donc. Là. Vivi là. Ouais, attention. Pas trop lourd. Plus qu'une vie, c'est la galère. Oh non. Bon, tant pis. Pour m'indiquer la cible, je la flingue. Fastoche, non? On s'ennuie jamais dans le Commonwealth. Ce serait un bon point si on passait pas notre temps à Oui, fuir le danger. Preston. En effet. Encore un paysan comme de notre aide. Eh bien, on va tout de suite s'en occuper de son cas. Il y a d'un côté la confrérie et de l'autre tout le reste. Et entre les deux, il n'y a rien. Si vous avez un instant, Ah, j'aimerais que vous dire tu veux, quelque chose. Dancer? Tu veux danser? Oui, j'écoute. Dites-moi tout. Merci de m'accorder un peu de temps. Ce n'est pas une discussion officielle. Je souhaite juste dissiper tout malentendu entre nous. J'ai l'impression que nous sommes partis du mauvais pied. Et je vous dois des excuses. Ah, bon, C'était injuste d'attendre de vous que vous fassiez vôtre les exigences de la confrérie sans avoir longtemps vécu à nos côtés. Et comme vous avez parfaitement réussi à vous adapter à nos croyances, je n'aurais pas dû vous traiter Ah, j'ai le micro qui t'a perpète. Ça n'a pas dû être... C'est très aimable. C'est très aimable à vous. Merci. C'est amplement mérité. Merci. Lorsque j'étais conscrit, mon mentor était le paladin Krieg, un vrai dur. Je n'ai jamais connu de chef d'escouade qui lui arrive à la cheville dans ce domaine. C'était un soldat d'élite, qui incarnait toutes les valeurs que les jeunes recrues rêvaient d'approcher. D'une loyauté sans faille, sûre de ses croyances, et d'une vaillance à toute épreuve. Dès le premier jour où je me suis retrouvé affecté à son groupe, il m'a eu dans le collimateur. J'avais l'impression qu'il m'en demandait plus qu'aux autres. Je me suis battu à ses côtés des années durant, et à plusieurs reprises, nous nous en sommes tirés de justesse. Mais jamais il ne m'a dit pourquoi il me traitait de cette façon. Oh, il avait ses raisons. Il devait avoir ses raisons. Si c'est le cas, je ne les ai jamais découvertes. Après avoir été promu au rang de paladin et affecté à ma propre escouade, j'ai appris que Krieg avait péri à la base aérienne Adams. Cette nouvelle m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'avais déjà perdu plusieurs de mes frères et sœurs. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais Krieg était dur avec moi pour la même raison que je suis dur avec vous. C'est parce que je crois en vous et que je ne veux surtout pas vous voir gaspiller votre potentiel. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Bon, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous garderez ça pour vous, bien sûr. Ce que je viens de vous dire est en partie du domaine privé.
T'inquiète, personne ne le saura à part le milicien qui est là, enfin à part Preston, oui. La marchande, le mec qui est là-bas et les deux miliciens ici. Pour ce qu'ils ont fait. Ouais, salut général. Salut. On va peut-être faire le plein de munitions. Munitions. J'espère que vous venez pas chercher les ennuis. Munitions, voilà. Hé, hey, je parie que j'ai quelque chose que vous voulez. Voyons ce que vous avez. Dites-moi ce que vous voulez. Du 10, du 5,56, maintenant que j'ai fait passer en automatique. Du coup, j'aurais plus vraiment besoin de ça. Du point 50, ça me paraît être une bonne idée. Du 10 mm, on a toujours besoin. La base. On va voir le doc. Quelque chose pour nous. Hey, ouais. Ouais. Bon, maintenant on est bien ici. On a notre propre truc anti-radiation. Donc plus besoin de payer les radaways tout le bordel. Et le doc est pas à son boulot. Super. Je lui tapais dans les doigts. J'ai trouvé un boulot et il est même pas capable de le faire. Bon, bref, c'est pas grave, j'ai un steam pack et des trucs pour me sauver. Allons voir ces pecnos. Ah, il est à pied, super. Ah, petite tempête de radiation histoire de bien commencer. Bon, il y a un petit signal, peut-être qu'un jour ils me répondront, ces connards. Hé, hey, vous ! Ah, oh, désolé, je croyais que vous étiez avec ces tarés de la forge, mais vous n'avez pas de brûlure. Ils ont pris la vieille aciérie et ils tirent à vue dès qu'ils voient quelqu'un. Je suis des miliciens. Je fais partie des miliciens. Dites-moi ce qui s'est passé, je pourrais peut-être vous aider. Mince alors, je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne. Jack, mon crétin de fils, il a fugué au beau milieu de la nuit pour aller les retrouver. Il a fauché la vieille épée de mon grand-père au passage. C'est le seul truc qui me reste de lui. Si vous faites vraiment partie des miliciens et que vous voulez m'aider, ma foi, j'aimerais bien que vous me rapportiez cette épée. Tu l'as trouvée. Je la trouverai. Vous me rendez un tiers service. Bon. Donc, il en a rien à foutre de son fils, c'est l'épée. Il m'a dit l'épée. On est d'accord, Preston. D'accord, après, il a dit l'épée, on s'en bat les couilles du fils. On sauve cette épée. Carte. On s'est juste à côté. Parfait. Pramine. Ah, non, trop. Ok, et de là. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Oh, un doc. Le mec est à la fois de passer aussi près d'un camp de pillard. Putain, la discrétion zéro. Ouais. Tiens. Steampack.
recharger. Plus long pour recharger. Ah. Qui tire? Toi là-bas. Ok, ils sont un peu plus forts que ce que je pensais. Ouais, ça se casse. Qu'est-ce que c'est? Avec deux fusils mitrailleurs, ce qui n'est pas très stratégique. Bon, je vais épuiser mes dernières munitions pour la cave et après je passerai au. Qui est là? C'est fini. Il est présent. M16. Je vais te trouver. Dès que je te trouverai, je te boufferai la rate. Il va falloir que tu te trouves. Là. On va bâcher que ce soit terminé. Ouais. Bon, fusil, pistolet, la fusil mitrailleur. J'ai pas le niveau pour ça. Les munitions de 10 mm, ça va, j'ai assez. On va arrêter d'en acheter à partir de là. Bonjour. Tu dois être un peu sur les nerfs. Alors, on s'éclate, on fait ça toute la journée. Moi aussi. Bonjour. Ah. Au revoir. Ah, t'as vu. Ok. Ok, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est passer une porte. Donc je monte. C'est quoi? J'en ai rien à foutre. Ok, je suis peut-être trop haut. Bonjour. Vous croyez vraiment qu'on doit s'encombrer de ça? Oui, Preston. Si tu veux que je construise des trucs beaux, faut que je m'en fasse chier avec ça. Pour sortir. Donc nous, on va aller là-dedans. S'il essaye de filer, tu le. Il a tué quelqu'un. Pour avoir réussi à venir jusqu'ici. En fait, c'était facile. C'était facile. La plupart d'entre eux auraient jamais été dignes de la forge, de toute façon. Tu vois, Jake, ça, c'est quelqu'un qui me fait pas perdre mon temps. Pas comme toi. Ils vont me tuer. Mais je vous ai apporté tout ce que vous m'avez demandé. Voler des bibelots dans la ferme de ses parents, ça prouve pas grand-chose, gamin. Encore que... la jolie épée que tu m'as rapportée te donne droit à une dernière chance de prouver ce que tu vaux. Tue-moi ce prisonnier, histoire de montrer que t'es pas totalement inutile. Vous avez dit qu'on attaquerait de l'autre côté de la frontière. Ces gens-là, ils sont pas dangereux. Prouve-moi que t'es capable de tuer. C'est lui ou toi. Eh merde. Qu'est-ce que je dois faire? Va-t'en. Va-t'en, Jake. Rien ne t'oblige à faire ça. Je vous en prie, laissez-moi partir. T'as bien fait parce que alors, je t'aurais pas donné une seconde chance. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire partie de la forge.
Je veux juste rentrer chez moi. Il va nous falloir de plus gros flingues. Je vais compter jusqu'à 3. Ok. Allez. Là, il va falloir, à mon avis, aller vite. Psycho. Medix. Jet. On va pas laisser le temps de réagir. Pas laisser le temps de réagir. Ça c'est du bon boulot. Putain, il en sort des toits. Ben voilà. On n'a plus. Toi. Oui, ben. Attends. Pardon. Je vous en prie, laissez-moi partir. 2 secondes. Attendez, je suis désolé, j'ai merdé, j'ai paniqué. C'est ça. C'est ça. Vous m'en voulez toujours. Écoutez, je devrais sans doute rentrer chez moi pour m'expliquer. Si vous êtes là quand il faudra que je m'explique, ça facilitera les choses. Je parie que si vous lui rapportez l'épée de mon arrière-grand-père, il vous donnera une récompense. Je vous attends au pont, près de la ferme. Ouais. Attends, là, l'autre, il est en train de fondre dans la lave. Bon, de toute façon... L'épée que j'ai trouvée, là, elle est à mon avis bien meilleure. Toi, attends, on va trouver un truc à te donner. Ouais, une punk, une... À part de lance-flamme à la con. Oh putain, attendez, je sais qu'il y a une statuette là, je viens de me rappeler ici. Bon, on va fouiller un peu. Normalement, elle devrait être bien visible. Genre bien visible, je veux dire là où il y a le boss. Genre ici. Là, je lui donnerai ça et ça à l'autre en bas. Et je ne vois pas de statuette. Oh! Trouvé! Excellent! Toi en bas. Excusez-moi. Bon, tu viens de donner ça. Moi, je vais bien te donner ça. Avec. Tiens, je vais bien te donner 9 cartouches. Et où est le pistolet? Et ce pistolet. Merci beaucoup. J'ai bien cru que j'allais mourir. Merci. Bon, maintenant faut que je me casse. Y a pas une sortie rapide? C'est quoi ça? Je prends. Je sais pas à quoi ça me servir, mais je prends. Bon ben, attendez, il y a un truc là-bas. Oh, je vois un truc là-bas. Un steampack. Ouais. Ce c'est. J'en ai rien à foutre. Bref, ce sera tout. Fin de mission, retour.